Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujitsu Zen Ryu. Dans cette vidéo, nous allons vous démontrer quelques exemples pour les cérémoniales de fermeture des 20 techniques imposées. Ces exemples peuvent être appliqués aussi bien pour la version codifiée que pour les deux prestations libres, à savoir la version judo et la version jujitsu. Bon visionnage! Tori et Uke exécutent la dernière technique. Une fois fini, ils se remettent à 4 mètres. Et là, Uke va venir faire le cérémonial de fin. Une fois que j'ai fini ma dernière attaque au tombeau, je reviens, je viens me mettre devant le couteau, ici. Je ne vais poser qu'un seul genou au sol. Je vous rappelle que la vidéo est un exemple de démonstration de cérémonial de fermeture. Les 20 techniques imposées n'étant pas un kata, mais une prestation codifiée. Donc par exemple, je vais poser un seul genou au sol, je pose mon tambo, donc ma matraque, je me rhabille, pour être correct, dans le cérémonial de fin, et je vais venir récupérer mes armes. Je viens mettre ma main gauche en supination, suspendre, pour pouvoir prendre les armes en pronation, prendre, comme ceci. Je prends le tanto, je le mets dans la main, ici. Le fil de la lame vers moi, je garde la pointe vers l'extérieur. Je prends le tambo, je viens le mettre à la bonne distance par rapport au couteau et dessus. Je viens saisir les deux et je viens les mettre à la hanche. Là, je me redresse. Je suis en position Shizentai. Vous avez la petite fiche là-haut. Et là, je vais me remettre en position pour faire le cérémonial de fin. Tori et Uke sont de nouveau à 4 mètres. Ils ferment la prestation en reculant pied droit, pied gauche. Ensuite, ils se saluent. Et pour finir, ils saluent le Juseki. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de prendre le temps de la liker et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent et tous ceux qui partagent les vidéos. A bientôt !